Thank you.
primón peado, con hacia el principio, ¿verdad? Han demostrado, a ver, ya por favor, para que aquí bien, que con todo lo que nosotros tenemos que mantener. A los turistas, a los turistas. Si yo ricorsasse possibile, si generalmente sì, e che lo dici sì, e lo che devo dare è una forza in una posizione migliore, con quella forma della mezzo, e allo stesso. Gracias.
si je fais ça, ça, ça c'est pour moi. Je perds mon bâton. Donc il faut qu'à chaque fois, je fasse tourner mon bâton dans le sens. Ça c'est possible. Hein? Là, le bâton est en pas, je peux le jeter. Il suit. Hein? Et ça, je travaille avec la force de l'inertie. Le bâton il tombe, voilà. Si je le lâche là, c'est un bâton. Je rentre là.
Allez, allons-y. Il y a action, et on pense toujours que si on rêve, si on est très fort, c'est dans le premier temps, dans l'action, on fait une technique et c'est terminé. Et très souvent, la réaction se produit parce que l'action est tellement vite que la réaction, il faut pouvoir travailler à l'aller et puis au retour. Hein? Donc on va travailler quelque chose qui va nous permettre d'apprendre à se déplacer et au lieu de commencer par 1, 2, 3, on va commencer 3, 2, 1. Ça paraît long, mais il va faire, il va attaquer, attaquer tout de suite. Une action, une réaction, vous voyez, une autre action. Voilà. On va travailler l'action. Hein? On met dans l'action, on fait ça, comme ça. On est d'accord. Pas de problème. Esquive. Deuxième étape. Lorsque l'on fait ça, je suis la réaction. Toujours pas de problème. Troisième étape, là, ça. Voilà. Alors, j'ai dit la table, puis la table, comment il attaque pas, comme il est coincé. Voilà, comme il est coincé ici. Oui. Lorsque vous avez quelqu'un ici, vous pouvez vous occuper d'une personne, là, il ne se dégagera pas. Parce que mon coude est appuyé sur son corps, plus il force, et plus c'est lui qui se contrôle. Pas de problème. Donc, lorsque je vais le lâcher, il est tellement habitué à pousser le corps, il continue à lâcher, moi, je vais faire des équilibres. Hein? Alors, c'est très technique. Mais il faut quand même le travailler. Voilà. Bon. Ça, c'est le plus difficile d'arriver à avancer vers le partenaire en espérant qu'il pousse. Voilà. Ça, c'est son attaque. Maintenant, il pousse. Tout doucement. Voilà. Je lâche. Un petit haut. Voilà. Alors, si vous voulez, ça, c'est 3, mais en réalité, c'est 1. Voilà. Si je ne rentre pas, ce n'est pas la peine. Je réponds mon moyen. Voilà, si je veux dire. Il y a un kilomètre de l'eau, donc il n'y a pas de problème. C'est moi qui le vois. Et je le lâche. Voilà. Alors on en fait une fois. Tout doucement. Un, deux, trois. Alors, ce sont des techniques de projection, on peut faire beaucoup d'autres choses. On peut aussi donner des appuis. Hein? C'est à vous d'organiser, si vous le faites avec des ateliers ou sans ateliers, avec des équilibres, avec des contrôles ou avec des techniques. Mais la base, c'est ça. Voilà. Alors, je vais parler d'allonger. Là, il ne faut pas que j'aille chercher. Ça, c'est faux. Parce que quand je fais ça, il n'a qu'à tirer. Et... Hein? Donc, je ne vais pas chercher. Il est là-bas. J'attends qu'il vienne. Et je le prends là. Je ne vais pas le chercher. Allez, allez. Donc, on va chercher par là. Et l'empêcher de saisir. Alors moi je vous allais monter, voilà. Il n'y a pas de problème, il va avoir des réactions, voilà. Hein? Il peut se tourner de ce côté. Alors vous allez essayer de travailler avec un personnel qui a des réactions. Voilà. C'est lui qui me saisit pour faire côté gâchis. Normal. Les gâchis, il ne faut pas considérer que c'est des contre-prises. Hein? Il faut considérer que vous enchaînez sur le travail du partenaire. Il fait quelque chose. Vous vous arrangez pour que ce quelque chose qui lui servait à lui vous serve à vous. Hein? Voilà. Voilà, il m'a saisi là. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on voit qu'il m'a saisi. Voilà. Ce n'est pas sur ce là que je vais travailler. C'est sur celui-ci. Hein? Donc, si vous voulez, on va commencer ici. Voilà. Et on va faire d'abord une.
C'est pas un qui l'a payé, pas pour vrai. Mais lorsque je vais, moi, par exemple, c'est pour vous donner quelques variables. Vous voyez la question, alors, on va le faire ici. Maintenant, on va le faire.
mulțumesc mult. Thank you.